Dans un document daté du 11 mai 2024, signé de main du délégué régional de la Sûreté nationale, centre de la police camerounaise, Mbarga Ngwele Martin, notifiant au commissaire régional Nga Didier de sa mise en retraite, donc son remplacement par Osomo Josué, jusqu'ici commissaire divisionnaire adjoint du délégué régional de la Sûreté nationale, centre, d'abord comme intérimaire. Et la Nantes annonce donc une cérémonie de remise et reprise aux allures d'adieu. Aujourd'hui, lundi 3 juin 2024, en présence de tout le haut gradé de la police nationale camerounaise. Je suis sûre que vous vous posez la question de savoir pourquoi je vous en parle. Cette correspondance assez banale cesse de l'être quand on s'intéresse au âge de ces trois protagonistes. Mbarga Ngwele Martin, chef de la police camerounaise, né le 1er juillet 1932, a donc 92 ans. Il envoie en retraite son commissaire divisionnaire Nga Didier, 60 ans, et les remplace par Osomo Josué, 61 ans. Trouvez l'erreur. Quand le vieux envoie en retraite et remplace le plus jeune dans la police camerounaise. Prenez soin de vous et du continent aussi.